Parfait, ça ira super bien dans mes toilettes. Enfin bref, les vacances sont terminées, il est temps de se remettre au travail. Ah ! C'est quoi cette chose ? Est-ce que ce serait pas une nouvelle BD ? Waouh ! Mais qu'est-ce que ça fout chez moi par terre ? Elle est magnifique ! Le tome 3 des aventures de Frigiel et Fluffy ! Et oui les amis, vous l'aurez compris, cette introduction improvisée était bel et bien là pour vous annoncer la sortie du troisième tome format BD des aventures de Frigiel Fluffy, le bloc original. Et cette troisième aventure, vous étiez nombreux à l'attendre hein, depuis l'apparition des deux précédentes BD qui sont cachées derrière moi là dans ma petite collection Frigiel Fluffy qui n'est plus si petite que ça à force, hein. Y a quand même pas mal de choses dedans j'ai l'impression. L'aventure continue du coup pour notre petit groupe composé bien entendu de Frigiel, de Fluffy, d'Abel et d'Alice qui vont cette fois-ci se voir confier la tâche de surveillance d'une mine, une mine qui contiendrait quelque chose de bien étrange, on se demande quoi hein. Et vous découvrirez donc la légende de ce fameux bloc originel, le tout premier bloc qui serait donc apparu dans Minecraft. Existe-t-il vraiment? Quel est son secret si c'est le cas? Tout ceci, eh bien nos héros vont le découvrir du coup dans cette nouvelle aventure inédite, hein, encore une fois, qui n'est pas liée directement, c'est le même univers, mais qui n'est pas liée directement au roman. Et j'en profite d'ailleurs, petite anecdote, le tome 5 des romans est terminé, il nous reste plus maintenant qu'à faire les illustrations, la mise en page, et il arrivera du coup assez rapidement, je vous tiendrai au courant également pour les impatients qui attendent du coup la suite des aventures, non pas en BD, mais cette fois-ci en roman. Mais pour revenir du coup à notre BD, le bloc originel, elle est donc sortie aujourd'hui pour tous ceux qui souhaiteraient s'en emparer, du coup en librairie, en grande surface, à la Fnac, le Carrefour, ce genre de choses, bien entendu également sur internet, où vous aurez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Le scénario est toujours de Jean-Christophe Derrien et de moi-même, et les dessins, les magnifiques dessins, sont toujours faits par le Studio Mint, qui a fait encore une fois du très très beau travail, vous verrez ça. J'en profite aussi pour vous dire que ces derniers temps, du coup, je me suis un petit peu éloigné de Minecraft, en tout cas en vidéo, je pense que ça s'est ressenti, puisque les seules vidéos Minecraft sur la chaîne étaient les vidéos sur Frigiel Fluffy, que je n'ai pas arrêté, que je ne compte pas arrêter, puisque je m'amuse énormément dans cette série-là, qui existe depuis tellement d'années à force. Là, actuellement, du coup, nous sommes en train de construire un petit village, finalement, avec de nouveaux modes que je n'avais encore jamais utilisés. Mais, du coup, comme je me suis un petit peu écarté de Minecraft, j'ai envie de revenir sur ce jeu, et je vais réfléchir, bien sûr, à de nouvelles séries, à de nouvelles vidéos, des petites maps aventures, des trucs comme ça, un petit peu comme ce que je faisais avant. Finalement, ça m'avait un peu lassé, mais là je suis ressourcé, ces petites vacances, comme j'ai dit au début de vidéo, m'ont fait beaucoup de bien, et comptez sur moi du coup pour revenir en force sur de nouvelles vidéos, pas que du Minecraft bien entendu, mais je compte bien revenir sur ce jeu. Voilà les amis, j'espère donc que vous foncerez en librairie pour vous procurer cette nouvelle BD, et la petite information bonus, c'est que le tome 4 est déjà en préparation, et autre bonne nouvelle, il arrivera avant la fin d'année, avant les fêtes de Noël, du coup... Petite information hein, à glisser peut-être au Père Noël, pour ceux qui sont concernés. Ah, ce Père Noël, je voulais toujours à chaque Noël dormir au pied du sapin pour le rencontrer le soir de Noël, mais étrangement mes parents ne voulaient pas, donc je suis particulièrement frustré, j'ai jamais pu le voir en vrai. Enfin bref, on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos, et d'ici là, eh bien portez-vous bien, et bonne lecture !